Salut à tous, c'est Chris Boy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les potes, j'ai acheté un véhicule en live. Pour ceux qui étaient en live, j'ai acheté un véhicule sans pas exprès que je vous déconseille, mais fortement de l'acheter. Donc, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche ici, les potes. Let's go! Donc, ce véhicule que je regrette, mais à mort de l'acheter, c'est la Bessone Clicking Bell. Donc, ce véhicule, on peut ni le custom, ni ouvrir les portes, on peut totalement rien faire. C'est juste la beauté, c'est tout. Juste la beauté du véhicule, on peut vraiment, vraiment rien faire. L'intérieur, on peut pas regarder l'intérieur parce que c'est un camion qu'on peut rien faire. Donc, la preuve qu'on peut rien faire, j'ai payé environ 500 000 dollars. Parce qu'on ne peut rien faire avec ce véhicule. De regarder bien, lorsque vous allez dans Warstock, vous allez voir qu'il est là, le véhicule. Donc, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore fait toutes les missions de Vincent, c'est normal que vous avez les deux prix. Mais moi, j'ai tout fait. Et du coup, pour moi, c'est 513 000 dollars. Donc, moi, je l'ai acheté par erreur parce que je ne voulais pas acheter. Je voulais juste voir le prix. Donc, voilà, je l'ai acheté. Donc, c'est la Bessone Clicking Bell. On peut ni le custom, ni dans l'agence, ni dans le LS custom, pas dans la, voilà, nulle part, aucun endroit on peut custom ce véhicule. On peut vraiment rien faire. C'est juste la beauté. On peut pas ouvrir le coffre du véhicule, ni les portes, ni rien du tout. C'est décevant. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est totalement décevant. Regardez, j'ouvre, mais je sais, ça s'ouvre. Ma voiture, ma Gauntlet Interceptor, mais on peut vraiment rien faire avec ce véhicule. Ni le custom, ni rien du tout. Donc, pour ceux qui veulent l'acheter pour faire autre chose, pour s'amuser, faites-vous plaisir. Mais pour ceux qui veulent l'acheter pour le customiser ou faire ouvrir la porte et tout, franchement, on peut rien faire avec ce véhicule. Hein. Ce véhicule n'est pas du tout conseillé. Hein. Franchement. Je vous déconseille fortement de l'acheter. Parce que 500 000 dollars, j'ai jeté 500 000 dollars par la fenêtre. Hein. Mais bon, je peux récupérer en 2 secondes la preuve que je récupérais 800 000 dollars sans problème. Mais dépenser 500 000 dollars pour un camion qu'on peut vraiment rien faire, c'est décevant. Hein. Franchement, Rockstar, il abuse. Hein. Donc voilà les potes pour cette petite info. Hein. Voilà, on va dire que c'est une information. N'achetez pas ce véhicule. La Bessone Clicking Bell, il est totalement déconseillé. Je vous déconseille fortement de l'acheter. Oh, j'ai le seum, je l'ai acheté en live. Pour ceux qui ont vu en live, vous avez vu par vous-même que j'ai vraiment eu le seum de l'acheter. Hein. Oh, j'étais en larmes, j'avais vraiment trop le seum de l'acheter. Donc, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'était Chris Boy Gaming. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Et ciao, ciao!